Ayada, on ne peut pas ronfler. Alors, il y a la prise en main de l'académie. Booster la motive. Développer l'esprit de développement. Et maintenant, celui-ci.
Ah, voilà, on me voit. Désolée, on s'était perdu, on a perdu la connexion pendant un petit temps. Je pense qu'on est parti. Ok, on me confirme que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ce petit souci de connexion, je pense que ça arrive un peu à tout le monde, ce genre de choses. Donc en tout cas, je suis vraiment heureuse de nous retrouver aujourd'hui au webinaire hebdomadaire sur Khan Academy. Donc c'est déjà notre quatrième webinaire. Et aujourd'hui, on va parler remédiation et révision avec Khan Academy. Donc, on est parti. Alors, pour commencer, je vais commencer par me présenter. Alors, ceux qui ont déjà participé à différents webinaires, c'est toujours la même chose, mais c'est surtout un moment pour vous présenter dans le chat. Donc, qui suis-je d'abord? Donc, moi, c'est Habiba Diani. J'ai été prof de maths durant 3 ans pour les élèves de 12 à 18 ans. Je suis en Belgique et je travaille pour Bibliothèque sans frontières qui lutte contre les inégalités scolaires ici en Belgique. Et moi, je suis chargée de formation pour Khan Academy. Et vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'il y a des profs parmi nous, des profs de maths, des profs de sciences, des profs de langue peut-être, je ne sais pas, ou peut-être des coordinateurs, des éducateurs, des parents, ou bien des jeunes directement, des grands frères ou des grandes sœurs. Dites-moi ça dans le chat, comme ça je vais pouvoir peut-être orienter un peu plus la formation pour vous. Voilà.
Dites-moi, j'attends un peu, je regarde le chat. Je regarde le chat. Et voilà, comme ça, je lis un peu vos réponses au fur et à mesure. Et sinon, je continue. Alors, Khan Academy. Ben, tout d'abord, c'est important de savoir d'où vient et en fait, quelles sont les origines de la plateforme, de cette merveilleuse plateforme. Donc, Khan Academy a été créé par Salman Khan aux États-Unis, qui en fait, ben, ça a tout bêtement commencé ben, par un oncle qui donne cours à sa cousine. Mais les distances géographiques font qu'au départ, ça se fait par téléphone. Et du coup, ben, il lui donne cours de maths par téléphone. Mais voilà, on se doute bien que c'est pas vraiment très facile d'avoir cours par téléphone. Et du coup, il décide d'acheter une tablette graphique et de commencer à enregistrer des cours avec un tableau et donc avec une voix à l'arrière. Et il les met sur YouTube pour pouvoir ben, les envoyer à sa cousine, parce que voilà, YouTube, c'est un super outil à ce niveau-là. Et il se rend compte qu'en fait, ben, pas mal de gens ont regardé ses vidéos et il n'y a pas que sa cousine qui a des soucis en maths et qu'il peut aider bien plus de personnes. Et du coup, il décide d'arrêter son boulot et de se consacrer à la création de cette plateforme qui est en plus en constante évolution. Voilà pour la petite histoire. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, et ça je le dis quasi à chaque webinaire, c'est la dédramatisation de l'erreur. Donc, c'est travailler sur l'image de l'erreur. On va parler de la pédagogie de la maîtrise. Et puis, c'est quoi faire de la remédiation? Et puis, quatre étapes clés de la remédiation. Et puis ensuite, comment faire des révisions? Tout ça à chaque fois avec des applications par rapport à Khan Academy. Et puis après, on passera à un moment pour les questions, si vous avez des questions. Alors, dédramatiser l'erreur. C'est clair que ici, surtout en Occident, l'image de l'erreur, elle est vraiment abolie. Elle est vraiment, les élèves ont peur de s'exprimer, ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de se faire juger. Et ça, c'est quelque chose de dramatique dans l'éducation et dans l'apprentissage. En effet, en fait, c'est par les erreurs que surtout on va apprendre. Comme vous pouvez voir ici la petite image que j'ai choisie sur le côté, en fait, on voit que l'escalier, ben, en fait, pour arriver au succès et pour arriver voilà, à la réussite, eh ben, en fait, il y a eu une succession d'échecs. Donc, il n'y a pas apprentissage sans échec. Je l'ai expliqué justement, c'était vraiment une grosse partie du webinaire de la semaine dernière, dédramatiser l'erreur. Mais fatalement, si on fait de la remédiation, de la révision, je ne peux pas faire un webinaire sans parler de cela. Donc, je pense que vraiment, quand on est avec un jeune qui veut faire de la remédiation ou de la révision, vous devez faire avec lui. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut parler de l'erreur et lui dire, c'est normal, fais des erreurs, comme ça je peux également cibler là où tu as des difficultés et donc ainsi beaucoup mieux l'aider. Ensuite, il y a la pédagogie de la maîtrise, qui est un des fondements voilà, de la plateforme Khan Academy. Et en fait, la pédagogie de la maîtrise, j'en ai parlé également dans le webinaire de la semaine dernière. C'est quelque chose qui a été fort développé par Carol Dweck, notamment, c'est en fait le fait que si on se donne le temps d'apprendre, tout le monde peut y arriver. Et la plateforme Khan Academy, c'est vraiment ça. C'est prends le temps d'apprendre, regarde des vidéos, exerce-toi encore et encore s'il le faut pour pouvoir comprendre la matière. Et se perfectionner, arriver à quelque chose de maîtrisé. D'accord? Donc la formule magique, peut-être certains vont apprendre beaucoup plus vite d'autres matières que d'autres, ou même des disciplines que d'autres, mais tout le monde peut y arriver. D'accord? Alors, c'est important à nouveau d'en parler ici dans le webinaire sur la remédiation et la révision, puisque ici, des élèves qui vont en cours de remédiation ou de révision, eh bien, ils vont donner du temps à la matière.
Ils vont donner du temps aux compétences. Donc, on est vraiment là pour apprendre et se laisser le temps d'apprendre. Alors, la remédiation, c'est quoi? La remédiation, c'est comme une réparation. D'accord? C'est comme réparer des compétences qui sont pas du, qui sont pas acquises ou acquises. Voilà, donc c'est vraiment dans l'idée de la réparation. Quand on fait de la remédiation, c'est réparer les choses, combler les lacunes, comme il est écrit sur le PowerPoint, et donc corriger les apprentissages erronés. On peut voir dans la petite image, j'ai choisi l'image, voilà un nœud et on démêle les nœuds. Donc l'important, surtout dans la remédiation, donc on va suivre les quatre clés. Donc la remédiation, c'est vraiment de la réparation, d'accord? Et on verra après, à la fin de l'exposé, la révision. Alors, les quatre étapes clés de la remédiation. Alors, il faut bien évidemment partir de l'élève. D'accord ? Une remédiation, ce n'est pas un cours. On ne donne pas... Donc, le prof, il donne cours, il suit son programme de l'année, il suit son programme de la semaine, voilà, il suit son programme. La remédiation, ça doit partir de l'élève. C'est vraiment personnel. Ou d'un petit groupe. D'accord ? Mais même si on est dans le petit groupe, on va essayer d'être personnel par rapport à chaque individu. Ensuite, on va réaliser un plan de travail. Pour les jeunes, c'est vraiment important de savoir vers où ils vont et là où ils vont arriver. Ensuite, il faut choisir les supports d'apprentissage. Donc, on va travailler dans ce cahier-là, on va travailler avec cette plateforme-là, on va travailler tous les lundis, voilà. Et ensuite, bien évidemment, il faut évaluer le travail qui a été accompli. Voyons ça plus en détail. Donc, partir de l'élève. Partir de l'élève, j'appelle ça faire le diagnostic des lacunes de l'élève. Donc, bien évidemment, quand on a un élève pour la première fois, surtout, ben, on va essayer de voir là où ça bloque. Alors, sur Khan Academy, comment est-ce qu'on va faire ça? Tout va se jouer dans la partie devoir. Évidemment, la force de Khan Academy, c'est la partie devoir. Et ici, on va essayer d'attribuer des quiz et des exercices qui peuvent être tip-top dans les lacunes de l'élève. Donc, allons voir ça et comment ça se passe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Je profite le temps que le site internet se charge. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Ok, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir de l'interaction. Si vous avez des questions, même qui sont un peu différentes, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas. D'accord ? Donc là, je continue. Donc, on parlait de la remédiation et d'aller chercher vraiment le petit exercice. Admettons que mon élève, c'est un jeune élève de 12 ans et il commence à faire des calculs de l'algèbre. Donc, introduction à l'algèbre. Il commence le calcul littéral, donc il commence à introduire des lettres, et là, voilà, ça ne se passe pas bien, il lui faut de la remédiation. Donc, vraiment, voilà, il a besoin de cours de remédiation. Donc, admettons, donc là, je suis bien dans mon tableau de bord sur Khan Academy, je le sais parce que je vois la rubrique classe, la rubrique guide, enseignant, parents, élèves et tuteurs, donc là, je suis bien dans la rubrique des profs, de l'enseignant, et je viens ici dans ma classe qui s'appelle Facebook Live Remédiation, et je clique dessus, voilà, et alors, je vais directement, ça se met automatiquement, dans « Donner un devoir », mais bon, ici, je clique sur ma classe, je peux voir différentes choses, hein. Je le répète, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le webinaire précédent, mais ici, donc, je vois que j'ai des élèves, en fait j'ai deux élèves dans ma classe, et voilà, donc ça c'est des choses qu'on avait déjà vues au premier webinaire. Donc je vais attribuer des devoirs, donc on revient à la situation, donc une élève, Habiba Diani, 2020, qui a des difficultés dans l'algèbre. Donc là ici j'ai pris tout l'algèbre sur Khan Academy, et puis je commence à regarder. N'oubliez pas qu'il y a trois couches dans Khan Academy, donc il faut cliquer à chaque fois trois fois pour aller vraiment
dans le vif du sujet. À chaque fois, il faut bien descendre, hein, d'accord? Dès que vous voyez du bleu comme ça, c'est qu'on est vraiment à la couche inférieure. Et puis, je me dis non, là, ici, additionner des signes, des nombres de signes différents, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il me faut. Donc, dans la remédiation, il faut vraiment bien viser les bonnes choses. Donc là, les bases, non, les fractions, ça ne me concerne pas. Ah, en fait, expression littérale, en fait, c'est ça. Ça commence à être bon. Alors là, je clique. Et puis là, je vois, ah, calcul des différentes valeurs numériques d'une expression à une variable. Ah, ça, je me dis, ça, ça pourrait être pas mal. On n'est pas encore tout à fait dans de l'algèbre. Donc là, je peux cliquer ici pour voir l'aperçu de mon exercice, hein, avant de le donner. Ça, c'est vraiment une clé, hein, pour bien utiliser Khan Academy. C'est vraiment de donner le bon exercice. Donc là, j'ai un aperçu et je me dis, ah ouais, mais ça, c'est génial. Parce que l'élève, il est en train de voir du calcul algébrique. Mais là, ici, on est juste un peu avant parce qu'on met des lettres, mais on donne une valeur au chiffre. À la lettre, pardon, excusez-moi, donne une valeur à la lettre. Et donc ça, ça pourrait être pas mal. On va voir si déjà cette couche-là, l'élève va y arriver. Et donc voilà, je lui attribue ça, voilà, une chose, et voilà. Et la remédiation, ici, elle va se faire, non, pas à tous les élèves, mais uniquement à Habiba 2020. Et puis on peut mettre une date limite, évidemment, ou pas, ça c'est aléatoire. Donc là, on va affecter. Donc ça, c'est vraiment une manière de faire pour faire de la remédiation, donc, et du coup de faire le diagnostic. Comme ça, on sait là où ça marche ou pas. D'accord? Je regarde un peu, et ici, je vois que Charlotte me pose une question et me dit, est-ce que Khan Academy propose des modèles de plan de travail? Alors, je vais tout de suite parler du plan du travail. Je pense que c'est juste après. Et si je ne réponds pas à la question, je le ferai un peu plus tard. Et sinon, l'accès et la création de classes sur Khan Academy est-elle payante? Eh bien non, Khan Academy est gratuite et le restera. Donc, tout est gratuit sur Khan Academy, en fait. Tout est gratuit, l'inscription est gratuite. Et donc, faire attention, si vous voulez créer des classes, il faut avoir créé un compte enseignant. Voilà, pour pouvoir faire tout ce que je suis en train de faire. Pas un compte élève. Voilà. D'accord? Je continue. Donc, diagnostic de l'élève. On donne un exercice qui, voilà, juste en dessous, ou à votre avis, où ça sera le niveau. Ce qui est possible également de faire, c'est de se dire, je vais donner tout un quiz. Si je donne tout un quiz à un élève, qui a besoin de remédiation, toujours le même élève, hein, c'est Habiba Diani qui fait de la remédiation, ça va permettre de regarder également, parce que le quiz reprend trois matières des expressions littérales. Donc là, vraiment, ça met l'élève un peu plus en difficulté, si c'est vraiment des grosses lacunes, mais en tout cas, on parle de différents chapitres, et donc là, on va pouvoir vraiment cibler. D'accord, ça c'est vraiment selon vous, comment vous le sentez, et au cas par cas, bien évidemment. Alors, quand on a fait le diagnostic, il faut réaliser un plan de travail. Alors, en effet, ben, là maintenant, je vais répondre à la question de Charlotte. Le plan de travail, moi, je propose d'aller voir les domaines de maîtrise. Alors, un domaine de maîtrise, c'est tout un chapitre sur Khan Academy. Alors, voyons ça. Donc, admettons, ici, je retourne dans ma partie enseignante, et donc, il y a une partie maîtrise du domaine. D'accord? Alors, je viens voir le positionnement, et là, on me dit justement, crée un objectif de maîtrise pour tes élèves. Donc, c'est clair et précis, et je me dis, oui, je vais créer un objectif, et donc là, je mets l'algèbre. Tout l'algèbre. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment un plan de travail. Et donc là, c'est avec l'élève, il faut lui montrer les choses. Et c'est pour ça que je vais vous les montrer juste après. Et lui dire, voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, voilà, à un moment, on arrive à gérer toute la partie algèbre. Donc ça, c'est vraiment un plan de travail, c'est un objectif sur le long terme. D'accord? Je crée cet objectif, mais uniquement pour l'élève toujours qui avait besoin de remédiation. Habiba Diani, voilà. OK. D'accord? Donc là, j'ai
un objectif de maîtrise. Alors, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça peut ressembler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mon côté apprenant et je vais vous montrer un peu ce que ça fait, ce qu'on voit, d'accord? Ce qu'on voit quand on est censé avoir un domaine de maîtrise et avoir... donc, ça se voit. Et il faut pas hésiter à le montrer. Il faut pas hésiter à le montrer auprès des élèves. Donc là, en fait, ça bug un peu. Voilà, là. On revient. Alors, je reviens sur le tableau de bord enseignant. Donc là, ici, on peut voir déjà, par exemple, dans mes maîtrises de domaine à moi, je m'étais fixé un objectif en base en calcul. Et là, je vois que ben, je suis à 41%. Et donc là, je peux aller cliquer dedans et commencer à voir petit à petit ce que je maîtrise, ce que je ne maîtrise pas encore. Et voilà. Et donc, ça va se montrer comment? Ben voilà, des tubes. Donc, en fait, moi, j'appelle ça des tubes ou des points. Donc, Khan Academy, elle se base sur... Elle calcule l'effort que tu passes. C'est de la pédagogie de la maîtrise. Au plus tu passes du temps, au plus tu risques d'apprendre et tu vas prendre le temps d'apprendre. Et donc, voilà. Et donc là, ici, la plateforme, elle mesure à chaque fois ma maîtrise. Et une maîtrise complète, donc quand on maîtrise vraiment la compétence sous-jacente aux exercices, c'est que le tube ici, il commence à être complètement rempli. Donc, on peut voir que dans compter de 0 à 120, heureusement pour moi, je commence à le maîtriser. D'accord? Donc là, on peut vraiment fixer un objectif à l'élève et donc lui, il va commencer à avoir des tubes qui vont se remplir. Alors, quand on lance un objectif de maîtrise, on n'est pas obligé de maîtriser tout à 100%. Il faut évidemment, dans l'algèbre, il y a des choses qu'un enfant de 12 ans ne va pas aller. Donc ça, au cas par cas, évidemment, ici, on voit... que ici, je suis plus forte à compter le premier que peut-être le suivant. D'accord? Donc, c'est au cas par cas. Mais là, donner un objectif de maîtrise, ça va être un plan de travail sur Khan Academy. C'est se dire, voilà, tout ce qui est autour de cette matière, tu peux voir et tu peux le maîtriser. D'accord? J'espère que j'ai été assez claire là-dessus. C'est quelque chose parfois qu'on ne comprend pas toujours sur Khan Academy. C'est la raison pour laquelle je prends pas mal de temps. Est-ce qu'il y a des questions encore? Ah, je vois qu'il y a des questions. Lorsqu'on travaille des exercices avec des élèves en classe, est-il possible d'imprimer ceux-ci pour emporter une preuve écrite du travail à la maison? Alors, ça, c'est la question de Marielle. Ce qu'on peut faire, donc si j'ai bien compris la question, donc c'est de savoir si les élèves ont bien fait l'exercice. Savoir s'ils l'ont bien fait et puis aussi avoir leur résultat, si j'ai bien compris ça. Donc là, je vais vous montrer une classe de vrais élèves que j'ai avec des résultats. Et alors, ici, on peut pas imprimer, mais on peut faire des captures d'écran. Donc ça, ça dépend vraiment de si on est sur un Mac ou sur un autre PC, quel style de capture, enfin... il faut appuyer sur un bouton, mais admettons, ici, je vais dans score des devoirs. Et dans le score des devoirs, on peut tout voir. Donc, c'est-à-dire que ici dans ma classe, je vois que ben, Coucou et Loulou ont réalisé mon devoir du 21 août et du 19 août. Par contre, ceux d'avant, ils ne l'ont pas fait. D'accord? Donc ça, si je veux, je peux faire une capture d'écran et revenir le lendemain... avec la feuille. Comme ça, c'est une vérification automatique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Marielle. Alors, je réponds à la question de Audrey maintenant. Si on donne un devoir aux élèves avec les mêmes questions pour tous les élèves, est-il possible de choisir les exercices à faire? Est-il possible de choisir les exercices à faire? Je comprends pas tout à fait la question. Je comprends pas tout à fait la question. En tout cas, Audrey, est-ce que tu saurais m'aider et me donner un peu plus de détails sur la suite de la question? Donc, en tout cas, quand on donne un devoir à un élève, ça je peux le montrer ici, là tout de suite,
On peut demander que la batterie de questions soit la même ou pas. Donc là, par exemple, ici, c'est un exercice. Je vais le donner, je vais l'affecter. D'accord ? Et là, ici, au-dessus, je dis batterie différentes questions pour chaque élève. Donc, voilà, donc ça, c'est voilà. Ou même batterie de questions. Et donc là, à partir du moment où vous cochez même batterie de questions, il vous suffira après, donc admettons, donc là, je peux l'affecter. Mais sinon, après, il suffit d'aller sur score des devoirs et ensuite cliquer sur le détail, même du devoir. Et là, vous aurez tout l'énoncé. Donc, vous pouvez récupérer l'exercice que toute la classe a fait. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Audrey. N'hésite pas à la reposer dans le chat si je n'ai pas été assez claire. Donc là, ici, c'était des batteries différentes pour chaque élève. Donc là, je dois à chaque fois aller voir chez les élèves qu'est-ce qu'ils ont eu. Il est écrit en dessous. Mais par contre, si j'avais choisi dans l'option, là où je vous ai montré dans le devoir, eh ben, j'ai tous les énoncés ici à chaque fois. Quand je clique sur question 2, j'aurai l'énoncé, question 3. Et donc, le lendemain, on peut revenir en classe et les corriger, quoi. D'accord ? Alors, y a-t-il encore des questions ? Donc, voilà, Audrey, n'hésite pas. Si j'ai répondu à ta question, tu peux aussi l'écrire dans le chat. Comme ça, je sais si je t'ai aidé et si je peux continuer à t'aider. Alors, troisième partie, troisième clé donc, pour faire de la remédiation avec Khan Academy, ben, c'est choisir les supports d'apprentissage. Alors, évidemment, si vous faites de la remédiation avec un jeune, vous êtes là à côté, hein. Peut-être pas, parce que bon, on a vu que la situation sanitaire mondiale peut être parfois, ben, voilà, oblige de faire les choses en distanciel. Donc là, ici, Khan Academy, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, dans la partie devoir, donner des vidéos. Parce que Khan Academy, c'est s'exercer et apprendre, tout le temps. Donc on peut apprendre, s'exercer, apprendre. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire à un élève, voilà, plutôt qu'il rattrape des heures et des heures de cours, ben lui attribuer dans un devoir une explication, une vidéo. Alors, les vidéos, donc admettons ici, on est toujours sur une élève qui a des problèmes en algèbre, là, sur les variables, et voilà, on peut lui attribuer une vidéo. Une vidéo, c'est avec le petit triangle, voilà, on lui attribue une vidéo à regarder. D'accord ? Donc là, ici, c'est vraiment le support d'apprentissage a été choisi, c'est la vidéo. Voilà, donc on peut choisir de faire regarder une vidéo à un élève. On n'est pas toujours obligé de donner des exercices. Alors, les vidéos sur Khan Academy, je préfère vous les montrer à nouveau. Ce qui est génial, c'est que c'est des vidéos sur tableau noir. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Admettons, on va avoir un cours sur la valeur absolue. Ça rame un peu, désolé. Alors, voilà, donc ici la vidéo. Donc, une vidéo sur Khan Academy. C'est un tableau noir avec des explications à l'arrière. Donc, l'élève peut vraiment prendre le temps de mettre pause, de rebobiner, de mettre pause, de rebobiner, de comprendre, parce que c'est avec un exercice, de le refaire, etc. Bon, ici, je vois que la plateforme n'est pas avec moi aujourd'hui, donc je vais continuer. Donc, là, ici, les supports d'apprentissage, c'est les vidéos. Et ensuite, pour évaluer... Alors, pour évaluer, soit on veut évaluer à nouveau la compétence qui n'a pas été acquise, et donc là, on peut redonner un petit exercice à faire, le même, mais un différent, enfin, une autre batterie de questions, parce que Khan Academy tourne avec au moins 4 batteries d'exercices, donc l'élève ne va pas revoir à chaque fois les mêmes calculs, ou alors carrément proposer un défi. Donc un défi, c'est le petit bonhomme, là, qu'on voit au-dessus, et...
voilà, Khan Academy propose des défis. Et maintenant, il veut bien me montrer la vidéo. Donc, la vidéo, on ne voit pas le professeur. Alors, un défi. Un défi, c'est quoi? C'est un exercice qui reprend, qui va reprendre, différentes compétences du dessus. Donc, c'est une synthèse. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal pour évaluer des séances de remédiation après un certain temps. Ce qui est pas mal, c'est de se dire, voilà, je vais évaluer ça. On va peut-être quitter. Voilà, c'est mieux ainsi. Donc là, ici, les petits défis, on peut aller les chercher et ils sont assez faciles à trouver. Ils sont toujours en dessous, voilà, en dessous de tout un chapitre. Et il est écrit défi, faire le défi. D'accord ? Donc voilà, le défi, ça reprend tout. Et là, on peut vraiment évaluer la situation. Et alors, même Khan Academy vous montre les compétences qui ont été acquises, pas, et voilà. D'accord ? Alors, passons maintenant à la révision. Alors, faire des révisions, c'est revoir. La remédiation, c'était réparer. Ici, c'est revoir. Donc, c'est vérifier si les compétences sont toujours acquises. Donc, souvent, chez un élève, ça va être le fait de rafraîchir dans sa mémoire. Et donc là, à nouveau, on peut aller dans la partie devoir et lui donner des exercices ou des quiz à faire. D'accord ? Voilà. Pour la révision, voilà, j'ai moins de choses à dire parce que faire de la révision, c'est revoir des compétences acquises. Donc, s'il faut revoir une partie de cours, ça sera des vidéos. S'il faut revoir des exercices ou des exercices en particulier, il faut pointer, le prof doit pointer le bon exercice. D'accord ?